quelque chose qui est déjà dans l'atmosphère, qui est en train de se passer actuellement même. Ah, Dieu merci, même il y a beaucoup de place pour qu'on puisse circuler. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont radicalement changer ta vie. J'ai dit à quelqu'un, il y a des choses qui vont se passer, qui vont radicalement changer ta destinée. Dans ce moment précis, ne regarde pas ta voisine. Ma voisine est déjà mariée. Mon voisin est déjà marié. Eux, ils sont déjà mariés. Et quand ils se sont mariés, il y a certaines personnes qui sont entrées par la fenêtre. Vous voyez les mariages par la fenêtre. Pour retourner à la femme à la maison. On a oublié de te dire. C'est hier, on a fait la dot. C'est après demain, on était parti à la mairie. Et puis le pasteur vient nous bénir. Écoute-moi, ne sois pas pressé. Parce que ton temps arrive. Lorsque ton temps va arriver, c'est pas seulement les voisins. C'est pas seulement Abidjan. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire. L'ennemi Satan tout fait pour te tenir en captivité. Regarde-toi. Je veux que quelqu'un se regarde. Regarde-toi si c'est ta vie. Regarde-toi si c'est ta vie. Regarde-toi si c'est ta vie. Quelqu'un peut me confirmer qu'il est en train de vivre sa vie. Si tu sais que réellement c'est ta vie que tu vis, lève ta main. Si tu sais que c'est pas ta vie que tu vis, lève ta main. On est parti prier pour un monsieur, malgré qu'il est marié, malgré qu'il a tout. Mais le monsieur m'a dit qu'on ne sait pas quoi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est comme tout dernièrement, je suis allé faire un séminaire quelque part. Et j'arrive sur un monsieur. Je passe et j'arrive sur le monsieur, le Seigneur me dit rien. Je reviens puis je le regarde. Je pars et puis je reviens. Je reviens et puis je le regarde. Et dit, monsieur, on ne se connaît pas, mais tu ne vis pas ta vie. Il a commencé à pleurer. Il dit, non, tu ne vis pas ta vie. Pourtant, le monsieur en question, il est venu avec une voiture. Malgré la voiture, il ne vit pas sa vie parce qu'il a servitude. Comment quelqu'un peut monter à 6h pour retourner à 22h? Il n'a même pas le temps de causer à sa femme. Il n'a même pas le temps de causer à ses enfants. Il n'a même pas le temps de causer à ses idées. Il dit, j'ai mes projets. Moi-même, j'ai mes business. Moi-même, j'ai mes choses. Mais je n'arrive pas à faire. J'ai dit, ils ont toi élevé d'hôtel sur ta vie. Mais pendant que je suis en train de te parler, élève un hôtel à Dieu. Élève un hôtel à Dieu. Le monsieur a regardé la génération Joseph Caleb. Il dit, bon, ok, peut-être que je ne viens pas sur le terrain avec vous. Mais je décide et je deviens mon partenaire de commencer à soutenir la gestion. Simplement par la parole. La semaine prochaine, je m'en vais. Il me dit les contrats qui devaient être signés en 2020 sont signés en 2019. Ah! Écoute-moi. Quelles sont les bases que tu as eues à mettre? Amen. Sur lequel le Seigneur doit se. C'est-à-dire, il doit regarder et commencer à bénir ta vie. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose de fort. Il y a trois personnes qui sont en train d'être libérées même de l'esprit de mort maintenant. Je ne suis pas venu prier simplement pour qu'on puisse prier. Je suis venu pour que quelque chose puisse changer dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu, écoutez-moi, c'est vrai, 2020, ne vous attendez pas à un changement si ici n'a pas changé. Si tu n'as pas su établir, si tu n'as pas su battre les hôtels, ne t'attends pas que les choses puissent changer. Lève ta main droite. Lève ta main droite. S'il te plaît, ne laisse pas le sommeil avoir raison de toi. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Ah, tu dis pas bien. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Cette situation. Je refuse, je refuse cette situation. Seigneur, ce n'est pas ma vie. Et je refuse. Je refuse. Le
est venu, lui aussi, il était un menteur. Lorsque ça arrive au tour de Jacob, on dit, bon, toi là même, là, on va t'appeler usurpateur. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Il a menti ou il n'a pas menti? C'est pas ma femme, elle. C'est pas ma... Son fils est venu, il a fait la même chose. J'étais en train de parler de ça avec une de mes filles. Elle est en train de écouter une prédication de pasteur Massolo. Et elle a compris. Et elle a compris qu'il y a des choses que tu peux répéter si tu n'as pas brisé. C'est-à-dire, au fur et à mesure que ça descendait, vous voyez que ça devenait de plus en plus grave. Chez Isaac, il a menti aussi. Mais quand ça arrive autour de Jacob, c'est-à-dire lui, on lui a volé les gens en même temps. Au fur et à mesure que la malédiction descend, quand ça arrive sur toi, tu penses que tu es au choc de la famille. Tu te poses la question, c'est la terre qui m'est tombée dessus, ou qu'est-ce qui m'est tombé dessus, hein? Regarde-toi bien. Regarde-toi bien. Écoute, ne regarde pas les 4000 que tu es parce que actuellement même tu es transposé dans la présence de Dieu. Amen. Regarde ton Dieu de gloire. Et regarde ta vie. Dis-moi si ta vie te ressemble. Dis-moi si ta vie te ressemble. Tu sais, à l'aéroport, lorsque je suis parti une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit de prier pour son voyage. J'ai dit, ah non. Ah non! Ah! Ça, les mains ne comme ça. Faux! J'ai t'assuré. Le Seigneur fait une petite grâce à mon père, il voyage à tout moment, je vais l'accompagner à l'aéroport. Chaque jour, voici même un de nos frères qui travaille à l'agence des billets. Chaque jour, il y a des gens qui voyagent. Faux! Ah, il y a des gens qui voyagent! Il y a même quelqu'un, il y a une de mes filles qui est en train de me dire, il y a quelqu'un qui a fait un projet juste pour les vacances, qui a été demandé à sa chérie, oh, bon, cette année on a allé trop dans les autres pays, on va aller où, on va aller où. Et moi, je suis allé aux États-Unis, je suis fatigué. Je suis allé au Canada, je suis fatigué. Moi, j'ai envie d'aller dans un pays même où il ne connaît pas. Pendant ces temps, pendant que les gens sont fatigués des États-Unis, toi, tu as écrit le nom des États-Unis à ces papiers. Je te lis. Attends, tu penses que je suis toi, c'est les sponsors qui sont fermés. Écoute-moi. Une fois, je disais à quelqu'un, il dit, où je suis là, j'ai pas envie de voyager. Mais le jour où je veux voyager, je te dis que je veux voyager. Il n'y a pas besoin de te cacher. Je te dis, je veux voyager, tu regardes et puis je voyage. Il y a certaines choses, Dieu va te dire, sois discret. Mais il y a certaines choses là, tu n'as pas besoin de vraiment. Et les sorciers, quel sorcier peut arrêter la main de Dieu? Ah! Mais pour ça, vous allez voir, il y a des gens qui sont là. Une fois, je suis allé prêcher quelque part, et il y a une fille qui était là-bas. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit, maintenant, je vais prier pour des gens qui doivent voyager. Je la regarde, j'ai dit, regarde, écoute-moi. Le Seigneur me dit, tu dois voyager, mais c'est bloqué. Et puis, la personne me fait quoi? Oh, j'ai dit, après comment? Et puis après, le homme de Dieu, tu sais, dans l'église, il y a tous les sorciers. Tu vois, moi-même, il doit aller en France. Il dit, pardon, pour quitter devant moi. Je suis en train de te dire ce matin, je dis à la vie de quelqu'un, toutes ces personnes qui parlent sur ta vie, qui parlent sur ta destinée, tombe ce matin au nom de Jésus. Lève ta main, toi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, pas bien, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse cette humiliation. Je refuse cette humiliation. Je refuse cette humiliation. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Vas-y, va les mains, va les mains. On va les mains. Tu vas rôder, rôder, tu ne me gagneras pas. Allons-y. Chante, chante. Tu vas rôder.
parce que déjà, tu dois prier d'une manière avec une folie. Cette personne, restez connectés parce que ce n'est pas vous qui allez vous désigner. C'est le Saint-Esprit qui va faire son travail. Cette personne est en train d'être libérée pendant que je suis en train de parler. Pendant que nous sommes en train de prier, c'est le mariage et en même temps le travail qu'ils ont enterré quelque part. À partir de l'alliance que les gens de la famille ont tissé avec l'esprit des eaux et aussi avec la terre. Et cette alliance est en train de parler sur la vie de quelqu'un ici. Restez concentrés. Cette alliance est en train d'être brisée. Ce corps fort est en train d'être brisé. Je vois le feu du Saint-Esprit sur la vie de cette personne qui est en train de faire sortir cette personne de cette captivité. Je vois cette prison qui est en train d'être brisée. Je vois cette prison qui est en train d'être brisée. Je vois cette prison qui est en train d'être brisée. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Père, je sais tout ce lieu par ton feu. Et toute personne qui est dans cette situation, papa, maintenant même, ton feu arrive et embrasse. Restez connectés parce que c'est pas encore fini, la délivrance est en train de se passer. Il y a des gens même qui vont vomir, c'est qu'on leur a fait donner, c'est qu'on vous a donné dans le monde spirituel. Vous allez vomir cela ce matin, vous allez vomir cela. Ça ne vous appartient pas ces choses. Maman, ce n'est pas ta vie. Maman, ce n'est pas ta vie. Oh my God. S'il vous plaît, restez connectés. Je vois le ventre d'une femme qui est en train de tourner très fort. Très fort. C'est en train de tourner comme un tourbillon. Parce qu'il y a quelque chose qu'on t'a donné dans le monde spirituel. Et cette chose-là réside en toi comme le terre. Mais je vois le Seigneur Jésus-Christ qui est en train maintenant d'opérer cela. Il y a quelque chose qui sortira de toi. Il y a quelque chose qui sortira de toi. La main de Dieu est en train de circuler dans les rangées. La main de Dieu est en train de circuler dans les rangées. La main de Dieu est en train de circuler. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Le temps de la délivrance de quelqu'un en sonné ici. J'ai dit le temps de la délivrance de quelqu'un en sonné ici. Lève simplement tes deux mains. Mon bishop, accompagne-nous par prêter prière parce que. Il y a des choses qui doivent être brisées. On a fait des délivrances sur toi, mais la délivrance d'aujourd'hui sera très spectaculaire. Parce que pendant qu'il sera en train de jouer ce cantique, Seigneur Saint-Esprit, cette première personne que tu as vue, cette personne que j'ai vue, dont l'alliance est en train d'être brisée, cette personne doit être libérée d'abord. À part cette personne, cette autre personne, sont en train de sortir de quelque part. Parce que je vois comme un endroit neutre, comme un désert. Et c'est comme s'ils ont envoyé ces personnes là-bas pour errer ça et là. Et depuis que vous êtes sur cette terre, vous n'arrivez pas à comprendre. Tout ce que vous êtes en train de faire, il n'y a rien qui n'avance. Ce soir, la main de Dieu va arriver. Non, on ne chante pas. On laisse le piano jouer. On laisse le piano jouer parce qu'il y a une délivrance qui est en train de s'opérer. Laissez le piano simplement jouer. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer. Papa, je parle de toutes ces cinq personnes. Et cette personne-là, dont tu m'as parlé, sa vie est enterrée quelque part. Pendant que je suis arrêté. Parce que le Seigneur a localisé ces trois personnes. Pendant que je suis en train de parler maintenant, il y a
feu qui est descendu vers ici. J'ai dit, il y a un feu qui est descendu vers ici. Il y a trois personnes qui sont en train d'être touchées. Regarde, il y a trois personnes ici qui sont en train d'être libérées, dont la vie était enterrée. Pendant que je suis en train de parler, ce feu est fort. Le Seigneur me dit, je suis venu les libérer parce qu'ils font partie aussi de mes généraux. Il y a des généraux que tu es ici. Il y a des personnes que tu as sélectionnées ici, mais qui sont encore emprisonnées. Pendant que je suis en train de parler, il y a une délivrance qui est en train de s'opérer. Fire!
cela te quitte à jamais. Pendant que je touche ta tête, là, cette chose-là te quitte. Parce que le Seigneur me dit que tu as une grande destinée. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Et puisque tu as beaucoup de choses à faire, cet hôtel-là te lâche. Je suis en train de briser ces hôtels. Satan veut diminuer cela en te faisant croire que non, c'est impossible. Mais ce matin, la main de mon Dieu te touche. Et le Seigneur me dit qu'il te lave. Le feu du Saint-Esprit embrase tout ce qui n'est pas de lui. Et fait de toi cette personne qu'il a voulu dès le départ. À cet instant même, le Seigneur t'imprègne de ton sang, de son sang. Parce qu'il y a une forte délivrance qui a commencé ici. Deux personnes qui peuvent prier pour la délivrance vont nous aider rapidement avant qu'on ne passe à autre chose. Toutes ces personnes qui seront en train d'être touchées maintenant, là, vous allez prier pour eux. Parce que pendant que je me tiens derrière ici, je vois la main de Dieu pointée vers cette rangée. Il y a une forte présence de Dieu ici. Mais je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que ta présence se fait ici? Le Seigneur me dit, je vais libérer des vies ici. Principalement deux personnes qui sont en train d'être déliées. Je vois les mains, les pieds liés. Le Seigneur est en train de délier. Même pour ceux qui sont devant ici, pendant que je suis en train de parler, je vois des choses liées. Mais le Seigneur est en train de vous délivrer. Elle attrape sa main gauche. Avant de bâtir ton hôtel, il y a une délivrance qui se passe. 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 Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta grâce. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de tirer son habit pour la ramener en arrière. Mais pendant que je suis attrapé ta tête ainsi, c'est fini. Il y a quelqu'un qui va pousser ses cris et partir, c'est fini. Je veux compter à trois, c'est fini. Un, deux, trois. Feu! Attrape-la très bien parce qu'elle est en train de sortir de quelque part, de très loin. Elle a la chose de Dieu. Pendant que je prie pour elle, la main de Dieu sur ça. Voilà, pas besoin de te toucher. Voilà, que je vais mourir sur son chemin. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bishop, pardon, venez prier pour eux. Venez prier pour eux. La main de Dieu vient ici. Thank you.
ne volera pas ton étoile. On ne volera pas ton étoile. Pendant que je suis en train de dire ces paroles, il y a un combat qui est engagé dans le monde spirituel. Il y a un combat qui est engagé dans le monde spirituel. Il y a des gens qui vont courir pour vous ramener ce qu'ils ont volé. Viens, s'il te plaît. Avant que le Saint-Esprit ne soit fort, il y a des délivrances qui vont s'opérer. Ce qui t'ont donné ne t'appartient pas. Et ce soir, ce matin, le Seigneur te libère définitivement ça. Ce nom qu'on t'a donné, ça ne t'appartient pas. Je suis en train de voir des chaînes qui sont peut-être brisées au niveau de tes pieds. Je ne sais pas, mais le Seigneur me dit que tu es son choix. Mais pendant qu'il me dit que tu es son choix, il est en train de te faire sortir d'une captivité. Oh my God. Je vais dans ma rangée. Le Saint-Esprit a localisé. Le Saint-Esprit a localisé deux personnes ici. C'est toi qui m'aide. Sois béni, mon frère. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Là où tu as arrêté, entre ces deux personnes, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer encore. Aujourd'hui, c'est fini. C'est la délivrance totale. Parce que pendant que tu as arrêté là, je suis en train de sentir une fois. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Maman, aînée. Merci Seigneur. Je suis en train de voir ça, le Seigneur me fait sous-titrage Société Radio-Canada.
nombre de cordes qu'ils ont attachées. Ils ont tellement attaché que je sens une lourdeur. C'est-à-dire que la volonté y est, mais la force n'y est pas. Et je sens ça surtout du côté de madame. Elle a vraiment cette volonté-là. C'est pour ça aujourd'hui le Seigneur a décidé de la délivrer. Les cordes sont en train de se briser pendant que je suis en train de parler. Les cordes sont en train de se briser, mais il y a une délivrance qui est en train de se faire. Elle a senti selon le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après la délivrance de votre femme, qu'elle va commencer à vous soutenir, les choses vont s'ouvrir. Parce qu'elle a appelé à vous soutenir. Mais je sens une lourdeur, ce n'est pas de sa faute. Mais c'est depuis la famille que je suis en train de sentir ces choses-là. Qui pèse sur sa vie, qui pèse sur sa destinée. Ces choses-là sont en train d'être brisées maintenant par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Apprêtez-vous à recevoir votre délivrance maintenant pendant que je suis en train de parler. Vous êtes en train de recevoir votre délivrance. L'Esprit de Dieu qui est en train d'embraser tout le plan de l'ennemi Satan. Ils ont comploté contre vous, mais je vois la main de Dieu qui est en train de vous soutenir maintenant. Joël attrape sa main, Pendant que tu attrapes sa main, je suis en train de voir que tu lui transfères un feu. Parce qu'en même temps qu'elle est en train de recevoir sa délivrance, elle va recevoir un transfert. Pour ne pas qu'elle puisse encore s'envoler. Il y a un dépôt, il y a une décharge que nous sommes en train de lui transférer. Elle reçoit cela maintenant. Take! Oh my God. Vous êtes béni. Toutes ces personnes qui contrôlent votre corps, au nom de Jésus. Je veux qu'on reste concentré parce que nous sommes d'abord en train de faire la délivrance. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. On ne volera pas ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est en train de courir pour venir te redonner quelque chose. Et cette chose ressemble à une couronne. C'est comme quelqu'un qui s'est même volé. Je suis en train de voir cette personne se moquer même. Déjà eu ça, mais je vois cette personne qui est en train de courir, qui est en train de repositionner ça. C'est ta délivrance parce qu'il y a quelque chose qui t'ont pris, mais qu'ils doivent ramener. Ils vont ramener ça. Ils sont en train de courir pour venir. Maintenant, je suis pas en train de parler à ça. Ils sont en train de courir pour ramener ça. C'est qui t'ont volé? Ils sont en train de courir. Adrien, rappelle Adrien parce que c'est fort ce qu'ils ont pris là. C'est très fort. Mais le Seigneur est en train de ramener parce que elle fait partie des personnes que le Seigneur aussi veut utiliser. Il ramène ces choses. Pendant que je prie, ça peut aller.
spectaculaire. Reste ainsi. Les mêmes choses que je suis en train de voir, qui sont en train de quitter votre fils, sont en train de vous quitter. Soyez vraiment à côté d'elle parce que je vois un feu qui est en train de descendre dans cette femme. Depuis votre maison là-bas, je vois un feu. Je vois un corps qui vient de se couper. Et le Seigneur me fait comprendre qu'on vous avait régné quelque part. Je ne sais pas où, mais on vous avait régné quelque part. En termes simples, que cette corde-là vous maintenait à une vie que vous n'avez pas voulu. Mais cette corde-là, c'est depuis la cour familiale. Cette corde-là en train de vous retenir. Pour ne pas que vous puissiez mener, c'est-à-dire, ça quitte ici et c'est en train de partir là-bas. C'est magnifique, mais elles sont en train de recevoir les délivrances en même temps. Je vois un ange qui est en train de courir très fort et qui est en train de circuler dans tous les sens pour apporter ce qui on vous a volé. Et je vois un ange voler sa couronne. Il y a quelqu'un qui a volé ça, mais qui est en train de courir pour ramener ça. Qui est en train de courir pour ramener ça. Moi je vois aussi quelqu'un qui a volé ta destinée. Il y a une personne qui est en train de partir avec ta destinée. Mais je me dis en tant que serviteur de Dieu, je l'arrête. Et je dis qu'il ramène ta destinée. J'ai dit qu'il ramène ta destinée. Qu'il ramène ta destinée. Qu'il ramène ta destinée. Qu'il ramène. Je suis resté concentré. Ce que nous sommes en train de faire, c'est très fort. Nous sommes en train de prier. Il faut qu'on puisse prier pour des personnes qui sont encore liées. Il y a quelqu'un qui t'a attrapé par derrière. Et cette personne est en train de dire, je ne te laisse pas avancer. Cette personne en train de dire, je ne te laisse pas avancer. Je ne sais pas. Mais c'est une dame qui a arrêté derrière toi. Mais pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir ton dos en train de chauffer. Parce qu'il y a une séparation qui est en train de se faire. Il y a une séparation qui est en train de se faire. Il y a une séparation qui est en train de se faire. Tu te sens pas. Fais attention, parce que tu l'as attrapé, ça risque. Reste juste derrière. Ne sois pas trop en contact pour ne pas qu'il puisse avoir sa délivrance qui est en train de se passer, c'est très fort. Voilà. Papa, viens. Attrape la suite. Pendant que vous êtes là, quelqu'un dit au nom de Jésus, je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Vous voyez les alliances que l'ennemi Satan tisse. Ce sont ces alliances-là qui fatiguent certaines personnes. Aujourd'hui, c'est la délivrance avant que certaines personnes. Oui! Non. Par le feu! Par le feu! Par le feu! Par le feu! Il part contre ma vie. Rêve, il y a trop d'hôtels qui ont été partis dans votre famille. Et ils ont fait la chose pour réveiller certaines personnes. Ils sont en train de réclamer sa vie. Raison pour laquelle je t'avais dit, maman, cette nuit, elle ne doit pas manquer. C'est pour ça qu'on va prier pour elle. Pendant que vous êtes derrière, commencez à prier. Parce qu'il y a quelque chose de fort en train de se passer. Je ne dis pas de prier simplement parce qu'il faut prier fortement pour elle. C'est une réclamation. Mais la présence du Saint-Esprit maintenant est arrivée. Et je dis qu'il y a des personnes qui doivent être consacrées. Pendant que je parle de la consécration, c'est le Saint-Esprit qui vous saisit de la prière. Pour vous proposer jusqu'ici, je suis en train de parler. Il y a des personnes qui sont en train d'être saisies par cette même forte. Papa, ces personnes-là maintenant, Seigneur, ces personnes-là maintenant, papa, de là où ils sont, toutes ces personnes qui sont dans les services, quel que soit le service, c'est. Ce témoignage, je suis sûr qu'il y a des personnes qui le savent. Il est parti voir quelqu'un par rapport à un terrain. Et pendant qu'il est en train de voir, la personne est en train de le tourner. Il a vu la secrétaire.
Gladère, la secrétaire, tu as su que si je prouve pour toi, tu vas prendre avec, tu vas me donner. Elle dit, aïe, je te donne. Il dit, bon, mais toi, jeune homme, dans moins de 2 semaines, je déclare que tu l'obtiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La secrétaire était là, pensait que c'était de l'amusement. Dans moins de 2 semaines, elle a remplacé le patron. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tu n'entends pas, c'est que tu t'entends pas ces choses. Tu te dis que c'est impossible. C'est impossible que Dieu va faire dans ta vie. C'est impossible que Dieu va faire dans ta vie. Avant, c'est-à-dire le 31 décembre, vous dites Seigneur, janvier là, je vais travailler. Non, 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 non. Je suis heureux de t'informer. Avant ce mois de décembre, qui va te buter, le Seigneur sécurise ta vie. C'est que tu n'avais pas âme en ligne de compte dans ta vie. Toute chose qui te manquait, le Seigneur l'ajoute dans ta vie. Tout ce que tu avais perdu, le Seigneur le retourne dans ta vie. Le Seigneur te restitue cela. Il y a des personnes qui sont venues accompagner les autres dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ils sont là pour les accompagner. Lorsque les autres vont devenir grands, vous asseoir. Les personnes que vous voyez qui sont assis là, en tout cas il y a ça. Le vice-président ne se porte pas très bien. Il vient aussi de l'Assemblée de Dieu. Moi, mon vice-président, il est de l'Assemblée de Dieu. C'est toutes les églises, je ne veux pas dire religion, mais c'est toutes les églises confondues qui se réunissent pour un seul objectif, sauver les âmes. Amen. Nous organisons des croisades, nous organisons, et puis nous avons des groupes de prière que nous faisons avec des formations pour permettre aux gens de gagner les âmes. Quand on dit ça aux chrétiens, les chrétiens pensent que comment tu peux faire 20 ans d'église et dans ton palmarès, même pas 5 personnes que tu as gagné à l'église. Mais par la grâce de Dieu, on a organisé des croisades où en une seule nuit, on a gagné 100 personnes à l'église. Le Seigneur compte ça sur ton compte aussi ou bien il ne compte pas. Ça compte sur ton compte aussi, mais ça ne compte pas. Mais l'année prochaine, on compte accélérer. Donc vraiment, pour toutes ces personnes qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous. Nous avons un moment de prière spécial que nous sommes en train d'organiser par rapport au programme qui arrive. Nous avons un groupe WhatsApp, nous avons tout ce qu'il faut pour que vraiment tu puisses gagner les âmes. Il suffit simplement de donner ton contact et nous allons rester en contact. À qui c'est pour moi fait du bien? À qui c'est pour moi? Si ça t'a pas fait du bien, dis ça m'a pas fait du bien. Yo, vous me la c'est pour les gens. Ya, ya.
remercie pour ce moment. Je prie pour toutes ces personnes qui ont laissé leur vie pour être ici présent. Père, avant leur sortie d'ici, et que ta grâce ne les quitte plus jamais. Partout ils vont aller, partout ils vont entrer, qu'ils trouvent grâce et faveur. Là où les gens ne trouveront pas grâce, qu'ils trouvent grâce. Là où les gens ne seront pas favorisés, qu'ils soient favorisés. Parce qu'ils sont les fils et les filles du royaume. Seigneur, qu'ils ne soient pas inutiles dans ta présence, mais qu'ils deviennent utiles partout ils seront. Dans leur église, à la maison, partout ils seront, qu'ils deviennent utiles. Que la grâce de l'Éternel demeure avec vous au nom de Jésus. Amen. Que l'amour du Seigneur demeure avec vous au nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur surabonde sur vous au nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut